C'est qui le patron ? C'est moi. Salut tout le monde les gens ! Pourquoi on crie ? Je sais pas. Pourquoi tu... Parce qu'on est content de se voir. Mais on se voit trop, j'aime trop. Mais j'avoue... Trop d'IM. Trop d'IM. C'est ça. Je vais bientôt le présenter à mes parents, Pascal. Tu me présentes avec tes parents, toi. C'est quoi ça? Je suis obligé d'être violent avec toi. Oh, il m'a tué le père, quoi. Aujourd'hui, on est là pourquoi? On est là parce qu'il y a pas mal de commentaires. Grave. Donc, vous avez réclamé une vidéo avec monsieur Philippe Etchebest. On va réagir à Cauchemar en cuisine, les poteaux, comme l'a dit Pascal. On lit tous vos commentaires et merci pour tous les messages bienveillants. Il y a des pouces parce que tu dis à chaque fois. Double pouce et orteil. Voilà. Et Philippe, moi, c'est quelqu'un que j'adore, que j'ai rencontré sur le plateau de TPMP. Ouais. Et j'ai son numéro. Non. Donc on essaiera de l'appeler peut-être. Vas-y, avec plaisir. Ah, on fera un essai. Vas-y, on essaie. Comme la dernière fois que Super Nanny, tu sais. Mais écoute, on persévère, tu vois, on lâche pas. C'est ça le truc. On lâche jamais. En fait, c'est pas une émission complète. On prend des extraits et on réagit sur les extraits. Voilà. Ah, bien sûr, attention encore une fois, sans jugement. Ok, on n'est pas là pour juger. On fait simple, on réagit, c'est voilà. Tout. 25 ans que vous faites de la cuisine. Alors là aussi, j'ai un profil en face de moi. C'est la première fois que j'ai un mec qui a 25 ans d'expérience. C'est la première fois. Et c'est la première fois que je mange aussi mal. Alors là, faut m'expliquer. Quoi? Non, c'est bien, c'est que c'est la première fois qu'il y a un mec qui a 25 ans d'expérience. Et après, il te dit, c'est la première fois que je mange aussi mal. Ça commence. Mais il y a un problème. Ah ouais. Oh putain. Et c'est oh, quoi ça? Le torchon. Oh le gras. Ah alors, le torchon, il est posé sur un radiateur. Ah, c'est pour qu'il sèche. Mais oui, évidemment. Ah oui, Philippe, franchement. On dirait moi avec mes caleçons. Sur ses crabes, non? Non, je dis pas ça pour la couleur, attends, quand même. Oh là là. Je me sers pour enlever le noir. Le noir? Putain, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est pas propre. Oh putain. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est du gras. Alors, si c'est des coups de pied au cul qu'il faut, on va les mettre. J'adore. Ah, la violence, c'est culpé au cul. On va la mettre. Et bam. Et mettez des pouces. Des pouces. Si Pascal il avait quelques bases de cuisine, il aurait fait un duo avec Philippe. Ça aurait été mais dingue. Mais moi j'aurais rêvé de faire un duo avec Philippe. Moi je rêverais qu'on fasse un truc avec un ado qui veut faire de la cuisine. Et c'est Philippe Etchebest qui le prend en main, qui le cadre. Ah, et moi je le cadre avec ses parents. Ce serait génial. Je veux te mettre ton nez dans le caca. Ah, ça on adore. T'imagines vraiment? Tu vas prendre le nez dans la merde. J'ai eu beaucoup peur. J'adore. Je vais te mettre ton nez dans ton caca. Et puis après on va voir. J'adore ça. Alors ça y est, ça c'est le caca. Et maintenant on va prendre le nez. La casserole. Je te jure. Mais y a quoi? Non mais bah, y a du caca. Non mais c'est abusé. Non la casserole est dégueulasse. Ça. Non c'est une... Ça c'est pas ce que je fais là. Je... Eh. Mais putain. Mais, non, mais de quoi? Mais réagis. Réagis mon garçon. Ça te fait quoi? Ça te fait rien là de voir ça? Ben j'en vois pas. Hein? Oui. C'est quoi? Ben oui, c'est de la merde. C'est de la merde. Il l'a dit. Tape dans le dos. Doucement! Quoi? Ben tu veux taper? Explosé. Philippe, j'adore. Moi, je regarde toutes ces émissions, je t'assure. En rediff, etc. À chaque fois que je vois Philippe Etchebest, je regarde. Parce que je sais que ça va claquer. Mais attention, c'est quelqu'un de sensible. Hein. Très sensible. Je le connais pas. Non, non, très, très sensible. Il avait fait une émission où il y avait un enfant qui pleurait parce que c'est... il voyait ses parents en difficulté. Et ça l'avait beaucoup touché et il a versé la petite larme. Ah ouais? Et toi, donc, tu vois, pareil, c'est comme moi. C'est pas parce que oui, c'est pas parce qu'on est des gaillards qu'on sait pas pleurer. Alors que moi, je suis pas une gaillard et je pleure, quoi, tu vois. Ouais. Toi, tu pleures pour rien. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais. La dernière fois, j'ai perdu mes clés, j'ai pleuré, quoi. Voilà, tu c'est ça. J'étais là. Si vous avez mal compris, c'est que je me suis mal exprimé. Non, 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 je me permettrai pas. Merci bien. Je fais quoi de ça, moi? Regarde. Il est bon. Franchement, il est bon, il fait le show. Là, faut qu'on devine. Ah ouais, comme les jetés. Je suis. Qui suis-je? Des champignons au cèpe. Je pousse en forêt. J'ai dit des champignons au cèpe. Ouais, c'est ça, des champignons. Mais bon, c'est pas grave. Tiens, tu as mérité. Doucement aussi. Alors. Ah, il y a écrit quoi? Attends. C'est Pirates des Caraïbes. Bah alors, comment ça se passe? Philippe, avec tout le respect que je vous dois, vraiment, je me moque pas. Ah non, non. Franchement, là, la vidéo, elle est extraordinaire. Magnifique. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, parce que tu te rends compte qu'il y a des gens quand même qui mangent dans ces restos-là. Ah bah oui, c'est ça le problème. Si Philippe Etchebest ne vient pas, le mec, il continue à faire n'importe quoi et à nourrir les gens n'importe comment. C'est ça. Et c'est vrai que c'est difficile parce que vraiment, des fois, tu vois les mecs qui sont au bord de la crise, oui. On va dire financière. C'est ça. Mais en fait, c'est parce que le resto est pas très propre, c'est pas très bon. Et c'est beau quand, bah, grâce à Philippe, ça remarche et les affaires reprennent. Tant mieux, parce que souvent, grâce à lui, ça repart. Ouais. Sauf si les gens font pas d'efforts. Lui, il fait des sur les poutres. Avec la graisse, c'est ça? Voilà. Et pourquoi c'est toujours là?
parce que si je devais frotter, il fallait tout frotter tout. Il a dessiné une sur le connu d'aération. Une tub. Ouais, on peut dire. Tu te demandes déjà pourquoi le mec il dessine ça et à qui le message. C'est pour qui? C'est pour son patron. Et pourquoi il efface pas en plus? Ah, c'est fait exprès, c'est la provoque. C'est le petit jeune ou c'est le. Je pense que c'est le petit jeune. Oh merde! Oh, c'est con ça! Non, non, attends, mais ça te fait rire! En fait, t'en as rien à branler! C'est tout! Ce que tu fais, c'est de la merde! Tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est dégueulasse! Et ça te fait rire! Il est dur, hein. Franchement, ça doit être dur. Parce qu'en plus, si c'est vraiment ton business, ton métier, tu te lèves toujours. Après, c'est la vérité. Monsieur, là, franchement, il me fait de la peine. Ouais, là, on l'a senti dans son regard. Là, je le sens qu'il est pas bien. Vous avez un gros problème. Oui. Effectivement. Oh, il est... Parce que moi, ce que je viens de trouver dans les frigos. Oui. Il est là, j'ai le monsieur. Déjà, ça va partir à la poubelle. Parce que c'est, tout est là. Oui. Ça va partir à la poubelle. Bon. Parce qu'il y a la moitié des produits qui étaient périmés. Oui. Qui n'étaient pas cette date. Oui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on en a fait bouffer. Lui, smart, lui fait, ça t'apprendra. T'as vu comment tu me parles? T'avais dit les jeter les produits périmés. Bien sûr, il a dû dire ça. T'as pas voulu m'écouter? Ah, tu vois les produits périmés? C'est moi qui les ai cachés. Je les ai ressortis. Juste exprès pour Philippe. Ah ouais, on m'en a fait bouffer. On m'a fait manger du saumon périmé. Ah. On m'a fait manger des crêpes faites avec des œufs périmés. Wow. D'accord? Oui. Ça vous étonne? Ça vous parle ou ça vous parle pas, ça? Ben écoutez, effectivement. Oui ou non, ça vous parle ou ça vous parle pas? Naturellement, naturellement ça me parle. Naturellement, parce que vous pensez que c'est naturel en plus. Moi ce que je constate, c'est que je vais dans des frigos, on m'a fait bouffer de la marchandise périmée, parce qu'en plus je l'ai senti. Oui. J'ai senti que c'était périmé. Le saumon d'Écosse, j'en consomme, la preuve, j'en consomme couramment. Et alors, je suis pas vous. Mais je m'en tape. Mais bouffez-le. Mais. En fait, le mec, il mange sa nourriture périmée, mais c'est pas grave. Et ça lui paraît normal. Oui, c'est normal, parce que c'est bon. Et t'as l'employé, il commence à la ramener un petit peu. Ouais. Il va prendre une flogie. T'as mis la flogie, ta flogie. Putain, mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. Ah non. Prenez-le et bouffez-le. Non, mais le mais ne donnez pas à vos clients. Mais le saumon, ça, d'abord... Il n'y a pas péril à l'en demeure. Il n'y a pas péril à l'en demeure. Elle est compliquée, ça. Elle a 120 ans, cette expression. Elle a l'âge du monsieur, je te jure. C'est périmé? C'est pas grave. T'attraperas rien. Si t'attraperas rien, c'est, en fait, si tu n'attraperas rien, c'est un coup de chance. Le problème, c'est que tu le vois, que Philippe, ça lui tient à cœur. T'as vu de la façon dont il a crié là? Tu me fais bouffer ça et tout. Non, mais moi, je me mets à la place de Philippe. Moi, je t'aime passionné. Mission. Et moi, c'est pareil. Moi, quand je vois un gamin qui respecte pas sa mère, je vais sortir. Ouais. Là, c'est de la cuisine. C'est son métier. Le mec, il a des restaurants, il est connu. Il a plusieurs restos, il en a à Bordeaux. Oh, il y en a partout. Il y en a un juste en face de l'anglais, celui qui fait cauchemar en cuisine en Angleterre. Ah, ouais, je sais. Comment il s'appelle? Gordon Ramsay. Oh, en même temps! C'est en même temps. C'était pas quelque chose. Quand tu dis un truc comme ça en même temps, c'est quoi? Tu dis pas coccinelle ou je sais pas quoi? Chips. Et c'est quoi chips? Si on dit un mot en même temps, le premier qui dit chips, l'autre il doit se taire. Ah, chips. Eh non, parce qu'on n'a pas dit un mot en même temps. Ah là c'est bien. En tout cas, on vous embrasse les chipsters. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas les pouces et les orteils. Ok, on enchaîne. C'est un travail qu'on fait au quotidien. Attendez. Je pense qu'on va mettre... Attendez, excusez-moi. Tapisserie d'époque. Je ne peux pas continuer dans cette situation-là. Je suis encore chez moi pour l'instant. Il y a des limites. Il y a des limites. Hier soir, ça va. Non, mais aujourd'hui, ça ne va plus. Monsieur Pira. Stop. Mais, on stoppe tous les deux. Non, mais moi, je... Non, attendez. Monsieur Pira. Ouh. Tais-moi le con. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces gens-là, monsieur Pira? Pourquoi je subis, monsieur? Pourquoi vous les virez pas? Je vous dis, je subis. Mais virez-les tous. Je subis. Ne subis. C'est de la peine. Ouais, le pauvre. En fait, je pense que c'est quelqu'un de gentil. Alors, attention, parce que quand t'es patron, c'est compliqué. Soit tes employés te la font à l'envers, soit ils te disent tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui se passent derrière lui, tu vois, il n'est pas au courant. Bon, on a un chien, on a un chien. Ok, stop, c'est pas la bonne méthode. On arrête, on se calme, ils sont dévoués à la maison. Oui, pour oui, vous, enfin, accordez-leur ça, merde. Accordez-leur ça. Bien franc parler, ils sont encore là. Non mais attendez, on va être carré. Il les attaque sans voir le mal qu'il fait, qu'il aille s'occuper de ses factures. C'est quand même dingue, il est persuadé d'être le seul capable ici. Et il va passer aux employés, je pense. Putain, je suis là pour vous montrer, prouver que votre équipe... Laissez-moi finir. Oui. Merde. Attendez. Laissez-moi finir. Non, mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord. Alors moi aussi j'en ai marre. À chaque fois vous me coupez la parole. Voilà. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. Je me fais un cul comme ça. Putain, mais merde, qu'est-ce que tu fais? Pardon, Philippe. Pardon, désolé. C'est l'expression. Non, mais oui. Je me fais un cul comme ça. Oui, t'imagines, moi, j'arrive dans les familles. Putain, mais je me fais un cul comme ça, Philippe. Comment que t'insultes ta mère? Tu vois ce que je veux dire?
Regarde, ça va monter. Équipe, j'essaie de vous sortir de la merde, et ça va pas. T'as vu, j'avais dit. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, vous m'excusez là. C'est moi qu'il faut excuser. Parce que je me fais chier. Oh, il est dingue, c'est très fou. Pourquoi il a une combinaison de peine? C'est quoi quand tu cries, quand t'es en colère? Ça fait comment? Tu peux me le montrer là? Tu peux me montrer là si je fais une connerie là? Si je fais, allez, vas-y, non, je t'ai signé un chèque de 23 000 euros de la pub alors que t'as pas un rond sur le compte. C'est arnaqué, pocheur. J'ai hypothéqué la maison. Vas-y, explique-moi la chose. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Ah non, c'était pas vrai. Mais c'est pas bien. Il a dit quoi? Je fais une connerie. Il a dit ça? J'ai pris ta voiture et j'ai planté la voiture, je me suis fait flasher. C'est pas bien. Je paierai l'amende. Évidemment, engueule-moi! C'est pas bien. Comment tu veux? Mais tu sens que le mec c'est un gentil, tu vois. Le mec il sait pas crier. À un moment donné, sort tes gonds quoi! Allez! C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. On dirait Zizou, tu sais. Il a un peu l'accent. C'est pas bien. J'ai mis un coup de tête. C'est pas bien. Putain, oh là, c'est pas bien quoi du coup. C'est pas bien. Fred. Oh putain. Ouais, le pauvre. C'est pas bien. Pas bien ce que t'as fait là. Non. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Mais c'est sûr, hein. Là, j'ai eu un coup de pression terrible. Je le croise, je change de trottoir, lui tellement il fait peur. T'as vu ou pas? C'est pas bien. Tu m'as mis un coup de pression terrible. Manu, je te dis, c'est pas bien. Ah, j'ai peur là. Ah, ouais, je me dis, oh putain, c'est bon. Ah, ouais. Oh putain. Toujours, je vais pas recommencer. Tu recommences? Non, je sais faire. Mais non. Mais là, faut tout reprendre. Tu es inexistant. Ah, ouais. C'est ça. Tu ne sers à rien. Wow, c'est dur ça. Non, c'est dur. Oui, mais quand tu dis à quelqu'un que tu ne sers à rien, c'est pour le faire réagir. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais. Tu es là. Sans être là. Et tu vas aller dans le mur. Oh, franchement, il fait de la peine, monsieur. Si t'as pas un fond de quelqu'un qui va hausser le ton, si depuis tout petit t'es comme ça, ça va pas sortir du jour au lendemain, tu vois. Apparemment, le second degré, c'est pas son fort. Il fait exprès ou quoi? Ah, il est bon, il est excellent. Vous pouvez pas prendre ma commande là, parce qu'ils sont tous débordés là. Qu'est-ce que c'était alors? Hein? Qu'est-ce que c'était? Si ça vous dérange, hein, Serge. Oui, non, non, non. Génial, le mec il est derrière son bar, c'est le patron, il l'appelle. Le mec il fait, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi de te déranger en fait, je veux juste manger. Pas de, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ou tu vois. Le mec en fait il est derrière son bar, il regarde Philippe, puis ça va, mais tranquille. C'est le mec qui fait sa vie. Ouais, c'est ça. Je te jure. Ça dérange pas? Non, c'est sûr. Non, c'est certain. Pas, on sait jamais si vous êtes pris dans le speed là. Non, ça va. Ça va, hein, bon. Non mais pour de vrai, il fait exprès ou quoi? Ça fait deux fois que je tac et il est là, tranquille. Oh Annie. Voilà, on change de lieu, visiblement. Ouais. À moitié. Là, tu poses. Hein, c'était en direct, tu t'excuses d'être là. Présente ton menu. Le mec, il a un menu, il faut expliquer. Il a un menu et en fait, il pose. Il parle pas. Il est pas très expressif, quoi, non, tu vois. Le type, il est pas... Oui, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vends ton truc! Alors aujourd'hui, les plats du jour, les spécialités, enfin, faut y aller quoi, tu vois. Faut y aller au masque. T'es très fort toi là-dedans. J'ai été serveur. Ah voilà! Je suis capable d'y répondre. Je me suis fait virer, mais. Ce soir, le chef vous propose. Voilà. D'accord? Affirme-toi. C'est pas l'inverse. Ne t'excuse pas quand tu fais tout le truc à la fois. T'as pas à t'excuser. T'as juste à présenter. Il a proposé des plats, donc tu sais de quoi tu parles. Ah, de me couper là, tu disais. D'accord? Écoute ce que je te dis. Parce que t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Ça souvent, écoute ce que je te dis, arrête de me couper. Ça, vraiment, c'est pas méchant, mais il rabaisse un peu la personne quand il dit ça. Ou alors, c'est pas il rabaisse, il prend l'ascendant. En fait, le truc, c'est quand t'expliques quelque chose à quelqu'un, la personne en face qui a tort va chercher une façon de dire non, tu te trompes, donc je vais te couper la... Je vais pas te laisser finir mon truc parce que je sais que t'as raison, mais je vais te faire croire que non, en fait, que t'as tort. Tu vois ce que... Toi, je... Non, j'ai pas compris. Allez, c'est pas grave. Que je le pose et donc je n'ai pas de conviction et que... J'ai toujours peur, on dirait. Une toute petite voix. Ouais. Ça, j'écoute. Bonjour. T'imagines, je me prends de mes ados. Bonjour. Comment tu parles à ta mère? C'est pas bien. Tu dis pas qu'il veut. On va prendre au sérieux ou pas? Je te sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Toi aussi? Si, je suis sûr. Mais si, je suis sûr, mais donc c'est vrai que. Oh. Voilà. Bombe le torse, relève le menton. D'accord? J'aime bien. Parce que. T'as vu, il lui dit bombe le torse, mec, il bombe le torse, lève le menton. Garde à vous. Repos.
Regardez vous. Oh pauvre. Non, le pauvre. Le serveur, tu sens que je sais pas s'il est fait pour ce métier. Bien joué. Tu vois. Ouais. Mais c'est quelqu'un d'introverti, tu le vois. De gentil en fait. Ouais. Et dans ce monde-là de service, il faut très, très dur. Gros respect au monde de la restauration. Ah, c'est pour moi, c'est le métier le plus dur. Oh. Les mecs qui travaillent jusqu'à pas d'heure, ils ont pas de week-end, ils ont pas de vie. Grosse force à vous les gars. Franchement, non, c'est gros big up. Tout ce qui est restauration, service, bar, machin, hôtellerie, tout ça. Franchement, ouais. respect. Ouais. Hein. Et souris. D'accord. Souris, hein, c'est ça. Ce qui est le patron. C'est moi. Je connaissais cette punchline, mais je savais pas d'où ça venait. Je crois que c'était dans le poignet. Le mec, il est pas prêt. C'est extraordinaire. Donc on la réécoute celle-là. Ah, vous la remet. Écoutez bien, c'est important. Écoutez bien. Voilà. Bombe le torse, relève le menton. D'accord. Hein. Et souris. D'accord. On l'en fait après. Hein. Ça. Ce qui est le patron. C'est moi. Je me rappelais plus que c'était dans cette émission. Ah ouais. C'est qui le patron? C'est moi. Ah, c'est moi. J'adore. Il est magique. Fou rire. C'est quoi ça? Retire l'off. Retire l'off. Il est mal. Il est comme ça, il regarde la caméra, il fait bon, tu crois que ça va être bon? En plus de faire de la bouffe dégueulasse, ils sont pas capables de sortir de table. Il y a 8 clients dans le restaurant. La soirée va être très très longue. Alors je regarde le frigo. Vous croyez que ça se met au-dessus d'un congélateur? Les patates, regardez. Patates, poussière. Là, vous êtes en train de cuisiner. Oui, je dis, allez-y, je fais comme chez moi. Je fais comme chez vous, honnêtement. Les dessins. Qui a dessiné? C'est un enfant, hein. Bah, bien sûr. C'est pas un artiste. Bah, disons, il est grand l'enfant parce que tu vois, la tête de l'enfant, elle est à hauteur de la tête de Philippe, hein, quand même. Il vaut mieux qu'on voit ces dessins-là qu'on voit des tubs comme tout à l'heure, quand même. Ouais, j'avoue. En début. Attends, y a pas? Non, y a pas. Superbe. Eh, sur Emi, tu lis la date? 16-2. On est combien? On est le 28-2. Alors ça, vous le foutez à la poubelle aussi. Arrêtez là. Confirmé. Le 22, on est le combien? 22. Oh, dégage. Le beurre, bon bah, même chez moi, le beurre il est périmé, je m'en sers. Mais quoi? Me dites pas que vous... Le pire, c'est que il y a des clients qui entendent quand ils se font engueuler par Philippe. Ah ouais, ça c'est dur. Quand tu vas dans un resto, tu sais qu'il y a un tournage avec Philippe Chabès, tu sais que ça c'est la merde. Oui, déjà. Tu dis, mais je veux y aller, parce que je veux le voir, je veux un autographe, un truc, parce que je veux le rencontrer, parce qu'il est sympa, etc. T'imagines, tu viens manger dans un resto, tu sais qu'il est là, et là tu fais. Et en fait, il y a quoi dans mon assiette? C'est ça. Moi, je suis en panique en fait. Ah oui, mais oui, évidemment. Tu veux dire ou pas? Bah, la meuf, là, elle est en panique. Regarde. Bah, tu vois, elle se dit, je veux quoi, je reste. Et puis son mec en face, il fait, non, on va rester. On va attendre Philippe, on va prendre la photo. Capable de voir ça quand même? Non, je l'ai pas vu. Non. Oh, sans déconner. Alors, ça, vous voyez ça? Ça, c'est inadmissible. Le saumon. Qu'est-ce que merde? T'as oublié de faire ton dimanche. Ah, ouais, ça, j'avais vu, ouais, la cour. La cour des miracles. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Ce qui est fou, c'est que normalement, il y a toujours un repérage qui est fait. Donc, le rédacteur en chef sait ce que Philippe va découvrir. J'espère qu'ils ne lui disent pas que va dans la cour, tu vas voir. Parce que là c'est du live. Oui. Tu vois très bien qu'il est surpris, qu'il se dit, c'est quoi ce truc en fait? C'est ça que j'adore. Moi, dans les émissions, pareil, j'étais pas au courant de tout, tu vois. Il y a certaines choses, j'étais au courant, normal, parce que j'avais besoin de connaître le dossier. Mais là, dans ce cas-là, en fait, c'est vrai, c'est comme moi, c'est que quand tu découvres, c'est là où t'as la vraie personne. Ben oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Vas-y, cherche quelle le truc. Quelle horreur. Regarde. Les verres, il y a une transat. Le bac à graisse. Un bac à graisse, qui reste. Le bac à graisse. Oh putain. Oh, le soleil, il a rabord de graisse. Oh, dégueulasse. Ouais, mais ça attire les bestioles, ça. C'est une blague. Les chaises. Oh là là, je pense que. Ouais, là. Oh là là. Alors déjà. Ils vont me dire qu'ils l'ont fait. Ouais, tu vois déjà, quand tu as de la neige, parce que là c'est de la neige. Ah ouais, là c'est une piste rouge, là, s'il te plaît. Tu peux prendre le téléski et tout. Tout, télésiège, téléphérique, allez, c'est la totale. T'as la carte passe, tu vas sur tous les domaines. C'est la seule station où les remontées mécaniques sont ouvertes. C'est dans leur. C'est là. Je croyais avoir vu le pire, mais je vais tomber sur quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Non, mais c'est. Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est pas possible. Des crottes de rein, des crottes.
Non. Oh non. Pigeon mort. C'est pas vrai, c'est un pigeon crevé. Ah, c'est le repas du soir. Non. Si l'hygiène débarque, ah bah oui. C'est la fermeture assurée là. En termes d'hygiène et tout là, le mec en fait il faut traverser la cour. Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine. Philippe, en plus elle lui dit, eh oui, cauchemar en cuisine la vérité. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est le bordel. On l'appelle Philippe. Mes enfants, on l'appelle Pascal. Les petits, voilà, super nanny. Eh, les trois en même temps. Alors classe, allez, vas-y, go, on y va. Le packaging, tu sais, le packaging. Je vais vous demander de quitter ce restaurant maintenant. Parce que ce que j'ai vu est à la limite du supportable. Alors, je vous rassure, c'est pour moi, vous n'avez rien à payer. Je vous rassure, la bouffe dégueulasse, c'est pour moi. Hein, comme c'est de la merde, attention, je ne paierai pas. Donc, c'est cadeau. Donc, les gens sont contents comme dire. Ah, bon, alors, bouffer de la merde, on ne paye pas en plus. Ouais, Philippe, merci beaucoup. T'es content à moitié quand même. T'es content. Parce que tu ne payes pas, mais tu as bouffé de la merde. Donc. C'est ça. Tu peux me dire quelque chose là, Kevin? Il monte. Tu peux me répondre là, s'il te plaît? Regarde. Il est au bout du gouffre, j'allais dire. Regarde les ciseaux sont sortis de la boîte, ils sont re-rentrés, ils ont eu peur. Ah ouais. Ils ont fait, hop, laisse-moi tranquille. Là, il va le voir, là. Normal. Il pleure et tout, là. Là, il m'a touché, ouais. Monsieur. Franchement, il m'a touché. Parce que tu vois qu'il est au bout, il peut plus, il fait ce qu'il peut et puis il n'y arrive pas, quoi. De toute façon, j'adore cette émission depuis qu'elle est créée. J'adore Philippe, c'est un vrai personnage. Ouais, il a une personnalité, c'est ça, il a vraiment une personnalité. Il est charismatique de ouf. J'adore. Il a été tellement réclamé dans les commentaires que. Hé, on l'a fait, on l'a pas fait. On l'a fait, mais est-ce que c'est pas le moins d'essayer de le. Tu penses? Ouais, moi. Ah, écoute, on essaye. Je fais un message vocal. Vas-y. Envoyez un message. Bonjour Philippe, c'est Pascal. J'espère que ça va bien. Nous sommes en train de faire un tournage, justement. On a débriefé sur tes émissions. Donc, si tu souhaites participer sur notre chaîne YouTube, Pascal et JM, ce serait avec joie. Donc, en tout cas, voilà, nous sommes dimanche. Je suis désolé de t'embêter un dimanche parce que mon collègue, là, le Marseillais, il a insisté pour que je te laisse un message. Bonjour Monsieur Etchebest. Voilà, j'ai pas voulu t'appeler en direct, mais te laisser un message. Donc, voilà, n'hésite pas à répondre. Et si tu réponds, je me permettrai de mettre ta réponse sur notre chaîne YouTube. À très bientôt et désolé pour le dérangement. Au revoir Philippe. Amicalement, cordialement, cuisinement parlant. J'ai balancé. Hein. Tu fais un vrai message. Oh, t'imagines s'il répond, ça serait fou. Eh ben écoute, franchement, c'était fou. C'était beau, non? Ah ouais, le. C'est moi. Ouais, ça c'est gros meilleur moment. Franchement, c'était bien. Ah ouais, le pauvre. Eh ben écoutez, les copains, ça vous a plu, évidemment, vous mettez un pouce, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et vous nous dites dans les commentaires. Et dites-nous dans les commentaires. Ah voilà, ce que. Quelles émissions vous voulez qu'on réagisse? On en fait plein, donc on vous écoute, on vous lit. Et surtout, n'oubliez pas, on ne juge personne. C'est ça. Ok, ne prenez pas les choses pour vous. C'est simplement des extraits d'émissions, les pires ou les meilleurs extraits. Et on commente ce que l'on voit. Et on fait ça, bien sûr, avec le sourire. Toujours. Hein. D'ailleurs, la prod, ils m'ont pas mis le. Toujours pas. Je leur en veux, hein. On va le castagner, la prod. Et on va se les faire. Ouais, mais si on les castagne, après qui filme? Parce qu'ils sont bons quand même. Donc merci à toute l'équipe en tout cas. Grave, merci à tous. Salut tout le monde, les gens. Chips.